Ouais, tout le monde, c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News. Sache les gens, si vous, vous allez passer des examens ou des choses comme ça dans quelques semaines, puisqu'il y a le bac. Moi, personnellement, oui, enfin, je voulais assez répéter et tout, c'est pour ça que je fais pas trop de vidéos en ce moment. Je vais vous parler de quelque chose d'un peu plus important, personnellement, c'est à propos de ce mois, du mois prochain d'ailleurs, le mois de juin, du 14 au 16, eh bien, il y a l'E3 2016, qui est un grand salon et tout, où t'as les grosses marques telles que Sony, Microsoft, voire aussi Rockstar, peut-être, Take-Two, qui peuvent faire des annonces. Et ici on va parler vraiment de cette future, enfin d'une future console peut-être, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs. On a parlé beaucoup du côté de Sony avec la PS4K, en gros une console légèrement plus puissante qui puisse surtout supporter la nouvelle définition, donc la 4K, la ultra haute définition plus précisément, et que ici on parle de plusieurs Xbox, c'est très flou, et c'est pour ça qu'on va en parler ici, parce que quand j'ai lu tout ça, je me suis dit, où est-ce qu'ils veulent en venir? Honnêtement, moi qui suis pas très fan d'Xbox, et même maintenant je suis même plus très fan de PlayStation aussi, waouh, c'est comme ça. Je suis quand même assez intéressé, eh bien à propos de ce que propose, de ce que pourrait proposer plutôt Microsoft, parce que ce sont que des leaks, que des rumeurs. Mais c'est quand même assez intéressant parce que souvent, là on est quand même, c'est dans un mois, un peu moins même, et que on peut aussi se dire, bon, voilà, souvent quand on arrive, on a quand même des informations qui sont relativement vraies ou qui vont correspondre ou qui vont avoir quand même pas mal de petits points en commun avec la version officielle. Alors on parle donc pour l'année 2016 de deux petites choses. Donc d'une toute petite console d'une taille similaire à un Google Chromecast qui servirait uniquement au streaming et coûterait environ 100$. Voilà, c'est ce que apparemment Xbox, enfin en tout cas Microsoft proposerait, c'est-à-dire créer un peu comme une toute petite boîte qui te permettra de faire du streaming avec pour une centaine de dollars. Il propose aussi une seconde chose, un peu plus grosse, donc apparemment de la taille d'une Wii U, qui serait la réponse de Microsoft à l'Apple TV. En plus du streaming, cette Xbox permettrait de faire tourner certaines applications et pourrait embarquer un disque dur de 2 Tera pour profiter de jeux donc en dématérialisé, donc des jeux que t'achètes comme un peu avec Steam, ce sont des jeux dématérialisés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de CD, il n'y a plus de boîte, t'achètes directement sur une interface, voilà, un serveur, une base de données après derrière, où tu vas acheter le jeu et tout, et puis tu vas pouvoir stocker tes jeux et tout, mais c'est dématérialisé, qui pour moi, ça a des plus, mais ça a des inconvénients aussi, parce que à la fois, tu peux plus te déplacer comme avant, tu vas chez un pote et tout, et tu dis, bah tiens, je ramène mon jeu et tout chez toi, bah là, c'est plus vraiment la même chose, ou alors faut que tu ramènes ta console chez ton pote. Bon, après, voilà, c'est discutable encore. Pour la somme de 150 à 175$, on parle en dollars ici, je sais qu'on est en Europe et que on est en euros, mais que il n'y a pas souvent, on donne des leaks ou des rumeurs, des trucs comme ça en dollars. Et au niveau du prix, ça sera genre 150-175€. Eux, ils font pas la différence. Même si le dollar est moins fort que l'euro, l'euro normalement est plus fort que le dollar, ils vont pas vraiment faire la différence. Et même, ils vont profiter de ça pour faire en sorte de faire encore plus de bénéfices en Europe. C'est vrai qu'il y a pas mal de rumeurs, pas mal de choses comme ça. Moi, je trouve que c'est assez chelou. Bon, à la fois, pourquoi pas arriver à créer une petite boîte comme ça qui te permet de faire du streaming, donc forcément qui demande un peu de moins de composants électroniques, moins de matos vraiment physique niveau hardware, mais que ça va vraiment demander par contre une très bonne connexion. Hein, c'est souvent ce qu'on demande par contre en échange, demander une très bonne connexion internet et qu'à la fois, voilà, au niveau du hardware, pas avoir quelque chose de très très puissant. Et arriver à baisser forcément le prix parce que ça te demande beaucoup moins de choses à produire. On parle aussi en 2017, voilà, donc quelque chose de nouveau là, d'une console forcément, là va falloir concurrencer si Sony vont sortir en tout cas une nouvelle console, la PS4K pour l'année prochaine ou pour cette année, va falloir qu'Xbox, enfin en tout cas Microsoft, puisse concurrencer un peu cette nouvelle console, ce nouveau hardware. Donc c'est vraiment de tout simplement de faire à peu près la même chose, voilà. Alors eux, ils ont cité une version plus puissante de la Xbox One, exactement la même chose pour la PS4. Il semblerait qu'il se trame également quelque chose chez Microsoft à ce niveau. La société, Satya Nadella travaillerait actuellement sur la 4K. Mais attention, il a été précisé, Brad Sams pense cependant qu'il ne s'agit pas de jeux en 4K, mais de vidéos. Le matériel demandé pour jouer en 4K est encore trop onéreux. Voilà, ce qui est aussi à la fois normal. À propos de la PS4, je sais
sais pas du tout si on parlait que juste de vidéos ou aussi d'avoir des jeux développés sous 4K. Je crois que c'était aussi des jeux développés sous 4K. On va dire sous haute ultra, enfin sous haute, ouais. Ultra haute définition plutôt, pas vraiment 4K. Vraiment, pour avoir toutes les réponses à tout ça, va falloir attendre donc la fameuse conférence, je crois que c'est le lundi 13 juin, j'ai noté, à 18h30. Donc lundi 13 juin à 18h30, heure française bien sûr, où Microsoft vont faire, voilà, il y aura un événement avec Microsoft. Ça peut être un enfin voilà, soit ils vont faire une annonce, soit ils vont proposer des nouvelles mises à jour ou des choses comme ça. Mais normalement, je pense que ça va être plus au niveau de présentation d'un nouveau hardware ou de plusieurs hardware. On parle aussi d'une Xbox Slim qui serait 40% plus petite et d'une Xbox 2 en 2017. C'est-à-dire arriver à avoir une Xbox Slim, une Xbox 2 plus puissante ou une Xbox Slim aussi plus puissante, puis à côté avoir ces petits trucs, ce que je vous ai dit, ces petits gadgets, ces petits boîtiers et tout qui permettent de faire du streaming. C'est franchement, c'est assez flou, je sais pas s'il y en a vraiment qui comprennent dans ce... Enfin, voilà, côté Microsoft, j'ai un peu de mal, mais pourquoi pas. C'est sympa aussi d'avoir, moi je pense que le streaming ça peut être assez intéressant. Bon après ça demande quand même une bonne connexion internet. Le réel problème les gens, c'est que on a beau à parler de ultra haute définition, de dire ouais elle sera compatible, déjà va falloir avoir des jeux qui vont être développés sous haute ultra définition. Ouais, c'est chaud, franchement c'est chaud parce qu'il faut avoir des bons jeux, hein, parce que genre au début t'as souvent une dizaine de jeux qui vont sortir en ultra haute définition et ça va être pourri, parce que les jeux, voilà, c'est des développeurs histoire de mettre en avant un peu les graphismes sans vraiment avoir de scénario derrière. Puis il va falloir attendre un bon petit temps et puis avoir des vidéos, même là maintenant, des vidéos en ultra haute définition, il n'y en a pas autant que ça. Voilà, c'est quelque chose qui arrive doucement sur le marché, puis ça coûte super cher parce que ça demande du matériel aussi. Voilà, c'est pas une caméscope qui va te faire de la UHD, ça va être une très bonne caméra, du matos. Donc quand tu veux te faire un film en ultra haute définition ou tu veux faire un jeu vidéo, et ben ça demande du matériel, pas celui que t'avais, voilà. Pour les autres jeux de vidéo, là c'est du nouveau matos, PS4 ou pour la Xbox One, moi je mets les deux dans le lot. Pour moi, ça va être similaire à ce que je viens de vous dire là. Pour moi, c'est bof bof. Franchement, voilà, faut voir le prix et tout. Pour moi, il n'y a pas de réelle chose, voilà. Faut voir, on attendra ce jour-là. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir, de me suivre sur ma page YouTube personnelle aussi. Puis je vous dis à la prochaine, ciao ciao, peace out.